Bonjour à tous, c'est Jérémy. J'espère que vous allez bien en ce jour numéro 39 de confinement. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours sur cette chaîne à 16h pour une nouvelle vidéo sur une alternative zéro déchet, et ce jusqu'au 11 mai. Et tout de suite, l'alternative zéro déchet du jour. Pour un dîner en famille, entre amis ou au quotidien, la serviette de table en papier s'est petit à petit fait une place. Le côté jetable de cette serviette permet de moins travailler après le repas. Aujourd'hui, je vous parle d'une alternative zéro déchet pour les serviettes de table. L'alternative zéro déchet du jour, c'est donc la serviette de table en tissu. Nos parents et nos grands-parents, pour la plupart, utilisaient des serviettes de table réutilisables. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu les fameuses serviettes de table à carreaux, blanches ou rouges, ou bleues et blanches. Et c'était pourtant l'une des meilleures solutions zéro déchet pour limiter ces déchets au niveau des serviettes de table. La serviette en papier est constituée de fibres de végétaux et de produits chimiques. Une petite partie seulement est recyclée. Le reste est très souvent incinéré ou enfoui, ce qui n'arrange pas son bilan écologique et son impact sur l'environnement. Mais pourquoi utiliser des serviettes en papier jetables alors qu'on peut utiliser une solution qui est, elle, réutilisable quasiment à vie? Les serviettes de table sont pour la plupart constituées de coton, mais le gros avantage, c'est qu'ils peuvent se réutiliser très très longtemps. Alors peut-être pas à vie, mais si vous choisissez des serviettes de table en tissu de très bonne qualité, je pense pas trop me tromper pour pouvoir dire qu'elles seront réutilisables pendant au moins une dizaine d'années, ce qui limitera énormément vos déchets. Côté entretien, les serviettes de table en tissu se lavent à 60 degrés en machine avec vos serviettes de bain, vos torchons ou vos peignoirs par exemple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager autour de vous ou sur des groupes zéro déchet, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet, et à faire un tour sur mon site internet www.planete-zerodéchet.com. Et sur ce, je vous dis à demain, 16h.